Bon, j'ai dû recommencer, enfin voilà, que j'ai dû charger la sauvegarde en arrière, un peu plus en arrière, pour avoir plus de vie, hein, parce que là, avec le vie que j'avais, ben, je pouvais pas. Hein. C'était impossible. C'était impossible de continuer dans ces conditions-là, c'était ouais, quoi. Là, c'est vrai que je sais plus comment faire. Hein. Parce que là, c'est. J'arrive à un niveau de difficulté assez. Ben là c'est la totale. C'est pas du hard, c'est encore pire que du hard. Hein. C'est atrocement difficile. Je suis obligé de courir pour échapper à ces fils de pute qui me courent, tout ça. Là, c'est. Je joue au chat et à la souris. C'est exactement ça. Tiens, là, je vais pouvoir sauvegarder. Je joue au chat et à la souris. Pas de panique. Oh là, vas-y, tue-moi. Putain, non, mais franchement, là, franchement. Putain, petit Freddy aussi, si tu sais pas viser, arrête de jouer à un FPS, hein. Voilà quoi. Putain, y a de la life. C'est là où je dois mettre une bombe ou quoi, je sais pas. Ah putain! Chou là. Bon, faut que je monte en haut. Qui choisit toujours les bons moments pour charger son arme, hein. Toujours. En même temps, j'avais pas le choix, il me restait 3 balles. Enfin, j'aurais pu très bien changer d'arme. Allez, tu peux, c'est une porte, t'es pas aussi gros que ça quand même, hein? Tiens, reste un, tu vas me dire. Il slide le mec, putain. Bon. Je vais sauvegarder, hein. Genre, ici, tu vois. Ah, ouais, d'accord. Il y en restait un là-bas, d'accord. Ok. Bah, maintenant, je sais, tu vois. Ça fait qu'autant utiliser des grenades, hein, vous en pensez quoi? Récupérer le registre de patrouille navale. Ouais, mais il est où? Je veux bien, mais. Les gars, si vous me dites pas, oui. Ouais, quoi.
plus t'as, tu peux pas savoir où aller. C'est ça le problème. Il doit être là-dedans, je pense. Bagarre. Oh! Nique ta mère, le capitaine, il crève un peu. Putain. Bon là faut que je retourne au bateau, hein. Rejoignez le sergent Water au bateau. Ouais. Je vais essayer. On va quand même sauvegarder, hein, parce que là, je suis arrivé à un stade, voilà quoi. Il vaut mieux. Y'a pas un truc en haut normalement. Ouais bon, bref. Ah ouais, mais ah, d'accord, je suis là, moi. J'ai cru que j'étais... que j'étais vraiment tout à bas, en fait. Putain, merde. Je suis pas tout à bas. Putain. Ça c'est un truc à faire tous les secondes. À chaque fois que je tue un gars, eh ben, il faut. Oh là, comment il m'a eu le mec, putain, invraisemblable. Et encore de je sais pas d'où, à mon avis, bah, deux derrière, hein, je pense. D'une précision, c'est incroyable. Putain. Comment on se met un croupi là-dedans? Putain, mais regardez, il bouge à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Putain! Thank you.
Il m'est arrivé de faire des let's play difficiles, mais celui-là, ça sera le ce Rome, hein. Ah ouais, ça sera le plus difficile, hein, que j'aurais fait dans ma carrière. On re-sauvegarde. Putain, d'où il vient lui, putain, mais ils apparaissent, mais coucou, c'est moi, boum, t'es mort. Putain, tu sais même pas d'où. Complètement raté, complètement. Tu voulais foirer tout coup, ah bah ben, sérieux, ces petits Freddy. Hein. Ah, mais de la même façon, se faire tuer encore et encore de la même façon, sans apprendre, mais vraiment, mais comment? Et voilà, là c'est parti. Regardez là, regardez bien, mais comment je vais fêler? Ça sera exactement la même chose. Je vais exactement faire la même chose. Voilà, lui, je l'ai vu. Voilà, lui au moins c'est fait. Attends, il est pas mort, il est pas mort, je vous jure sur la tête de ma mère, il est pas mort. Pouah, je vous l'ai dit, putain, c'est incroyable. Bon, allez, faut faire un plan de bataille là parce que le mec là, il est imbattable. Comment je peux faire? Parce que là, je suis dans une passe où il n'y a rien qui marche, comme je veux. Et je n'arrive pas à l'avoir. Raté. Et t'as l'autre qui est derrière pour le couvrir. C'est énorme ce jeu, mais il est énorme, il est énorme. L'intelligence artificielle, elle est énorme. Elle est énorme. C'est voilà quoi. Putain. Les seigneurs, putain. Oh, je l'ai pas, hein. Je crois que t'as les deux là. Ah bah je peux vous dire, ah bah qui m'aurait... Qui m... Hop, ah bah tiens, tiens. Oh, attends, eh oh, tu te fous de ma gueule ou quoi là? Putain, mais crève tout aussi là. Bon, il est où l'autre pédé là maintenant? Profitez pour sauvegarder, hein. Putain, je me suis dit, est-ce que ça va passer? Mais bien sûr que non, bien sûr que non. Est-ce qu'il y en a encore des milliards? Des milliards, des milliards, des milliards, des milliards, des milliards. Et il y en a encore, encore, et ils viennent à la fin. M'en fous, je bouge plus. Putain, il y en a un moment où je fais ça. Oh, il y en a un qui arrive par derrière, je sais pas d'où. Il t'assomme comme ça, normal. Il t'achève et là, tu te dis, mais putain, mais c'est pas possible. C'est quoi? C'est quoi ce jeu de merde? Putain, mais laissez-moi gagner, au moins! Putain, mais j'en ai fait des parties, alors laissez-moi gagner, putain! Laissez-moi sortir ce bateau pour continuer les autres missions. C'est logique, putain. Arrêtez de me faire galérer comme ça. J'ai assez galéré, putain. Tu sais même pas comment prendre le jeu après, putain. Il est partout où tu vas, partout où tu vas. Hey, tu peux être sûr qu'il y a un putain de nazi qui t'attend, gros. Putain, partout où tu vas. Il y en a en haut, à droite, en haut, au-dessus, partout, à droite, à gauche. Il y en a partout, partout.
J'arriverai pas, c'est comme tout à l'heure, ouais, j'ai pas assez de vie. Et là, je suis arrivé à un stade où tous les bonhommes que je croise, ben, ils ont un pourcentage de réussite, mais à 100%. Ils tombent la ligne de mire, ils tombent, t'es mort. Voilà, c'est ça. Tu peux rien faire, tu peux juste crever, avancer et crever. À l'infini, faire ça encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. On recommence? Mais vas-y, on recommence, tu crois quoi? Sledge! 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 Oh là là, putain. Pff, t'inquiète pas, on va y arriver. Voilà, je prends mon arme et je cours. Et je vais faire tout le tour en fait. Tout le tour. Oh là là, il est pas mort. Je lui tire une rafale de balles et le mec, voilà quoi. Il sourit encore et il rigole. Il fait ah, tu vois les balles que tu m'as mis. Eh ben ça m'a rien fait, gros. Je suis encore là. Je suis encore vivant. Putain. Ah, je vais passer par là. C'est le seul moyen. Parce que là, je vois pas comment je pourrais faire. Pas mec, je vois pas du tout comment je pourrais me démerder sinon, parce que passer par la droite c'est impossible. On va essayer de passer par la gauche. Les gens Il y a des éditeurs quand ils font un jeu, bah, ils disent justement que c'est un jeu les gars. Et vous savez c'est quoi le synonyme d'un jeu? Bah, c'est qu'on s'amuse sur un jeu. Voilà, c'est qu'on s'amuse. Mais il y a des éditeurs qui ont oublié ça. Ils disent attends, le mec on va le coincer dans le niveau et il va rigoler. Ça va être marrant, on va le coincer dans le niveau avec plein d'ennemis qui ont mais une précision mais de malade. Et le mec, il va s'amuser comme ça, à essayer de les buter, en restant une heure dans le niveau. Et ça va être dans tous les niveaux. Putain. Wow, alors là, comptez, il y a 1, 2, 3, 4. 4 Allemands. Parce qu'en fait, ils vous suivent en fait. Ils vous suivent encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Ils vous suivent en fait. Là vous vous dites ah, c'est bon là je me suis barré, ben, le mec il va rester à sa place là où je l'ai vu. Non, parce que le mec il te suit, il va te pourchasser avec ses potes, mais un truc de malade. Et question vie, franchement, on n'a pas assez de vie. C'est vrai que juste la précision de voilà, juste la précision mais de l'ennemi, elle est horrible, elle est horrible. Si encore on pourrait avoir une chance, une chance infime, ok. Mais non, t'as pas de chance, putain. Voilà, et là tu sais pas d'où il tire. Là c'est voilà, là tu l'entends tirer et parce que là ça peut tirer de n'importe où. Hein. De au-dessus, d'en bas, enfin voilà quoi. Là en fait là on est niqué, mais on est piégé en fait. On est niqué, c'est tout, voilà quoi. Et alors, ben là, alors ça c'est la merde, c'est surtout lui là. Là on m'a, mais de où? Là je vois bien un mec là-bas, ok. Mais. Je croyais qu'il est mort parce que là, putain, à un moment, faut peut-être crever, les gars. Le pire, c'est qu'on me donne pas assez de vie, putain, c'est affreux. Sinon, je pense que j'aurai jamais cette vie, hein. Parce que là, c'est.
Je pense que je peux pas arriver jusqu'au bateau, il y a trop d'Allemands. Et puis voilà. D'où il m'a. D'où le mec, il a réussi à me tuer. Mais de où? De où? De où? Oh, regardez, on le voit pas. Il est pas là. Il est pas là. Mais d'où? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Putain, c'est incroyable. Il y a des ennemis, bah, ils sont tout simplement invisibles. Ils sont invisibles. Ouais. Allez, il y a encore des ennemis dans le bateau, putain. Genre, t'es pas mort. Attends. Et franchement, alors là, c'est le plus gros foutage de gueule, hein, du jeu. Alors là, c'est le plus gros foutage de gueule du jeu. C'est un truc énorme ce qui vient de se passer. Le mec, il est pas mort. Mais eux, putain, voilà quoi. Et ça marche pas cette fois-ci, ça marchera la prochaine fois, t'inquiète pas Freddy. De toute façon, on a toute notre vie, hein, pour jouer à ce jeu. Merci de crever, voilà. Hop, à chaque fois que je vais tuer un gars, je vais sauvegarder. Parce que, voilà quoi. Pas de choix, pas de choix. Parce que ça sera une difficulté en moins. Regardez ce que je vais faire, ben voilà. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner en haut. Voilà quoi. Parce que là, les ennemis que vous voyez là, eh ben c'est les ennemis qui vont me tuer et qui m'empêchent sur le bateau. Ça fait autant aller dans le bateau, enfin autant continuer dans le bateau et d'essayer de les niquer dans le bateau que voilà quoi. C'est le seul moyen que je peux trouver. Hein. Oh là là, la forêt, une balle. Une balle, mais c'est pas juste. Putain, mais laissez-moi partir de ce navire. Laissez-moi terminer cette mission. C'est logique, putain. Laissez-moi terminer cette mission. J'ai envie de faire les autres missions, les mecs. J'ai envie de faire les autres missions. J'ai pas envie de rester toute ma vie dans ce putain de niveau à la con. J'ai récupéré de la life, MDR. Je savais même pas que ça existait encore. Recharge. T'es m'a défoncé. Tellement défoncé que je sauvegarde même pas. Voilà. Pourquoi je sauvegarde pas? Parce que je me suis dit, j'ai perdu tellement trop de vie que sauvegarder là, ça serait vraiment. Mais du stupidité, d'accord? Bah là aussi, j'avais pas beaucoup de vie. Hein. Putain, recharge. Ouais, ça revient encore, hein. On se demande, voilà quoi, mais... Putain, enfin! J'aurais bien monté dans le bateau, s'il vous plaît. Tu t'appuies sur... Ah, d'accord.
Quoi? Oui, le capitaine est mort, vas-y, avance. Et vous savez quoi? Mais le son du jeu, il est tellement élevé qu'on n'entend même pas les bonhommes parler. Putain. On peut même pas, ouais. Quoi. On va baisser le volume principal parce que là, ouais. Bon bah j'ai réussi, c'est bien. Hein. Enfin. Enfin, putain. J'ai réussi à passer ce putain de niveau. C'est pas ça, mais franchement, mais le niveau de difficulté dans ce jeu, mais il est. Je crois que c'est. Pour ma part, je suis sûr, mais je peux miser tout ce que vous voulez, c'est le Call of Duty le plus difficile. Hein. Parce que là, c'est incroyable. C'est incroyable. Putain. Camarades de l'Union soviétique, près d'une année s'est écoulée depuis que l'envahisseur allemand a posé le pied sur la terre de notre mère patrie. L'ennemi progresse vers le cœur de l'Union soviétique, prenant ville après ville, violant, tuant et volant le peuple soviétique. Bien que la situation semble désespérée, il nous reste un dernier bastion, un dernier espoir. Stalingrad, la ville qui porte le nom de notre chef vénéré. Camarades, la plupart de vos frères s'y trouvent déjà et combattent l'ennemi avec fougue. Bientôt, vous serez à leur côté et jamais vous ne faiblirez face aux fascistes. Aucun de vous ne reculera. Les commissaires exécuteront les pleutres à vue pour donner aux honnêtes soldats la chance de faire leur devoir. La mère patrie compte sur vous. Luttez pour Stalingrad! Ouais, toujours les mêmes paroles à la con, hein. Battez-vous pour une patrie. N'importe quoi. Voilà, aujourd'hui la France elle se fait attaquer, je m'engage même pas. Qu'ils aillent tous se faire foutre. Ça sert à rien de se battre. Ça sert à rien. Aujourd'hui sera un grand jour. Vous combattrez de tout votre courage. On va crever, ouais. Les envahisseurs nazis. Pour chaque soldat soviétique tué, 10 des leurs tomberont. Il n'y aura pas de quartier pour les défaitistes, les lâches ou les traîtres. Putain, la gueule qu'ils ont. Regardez-moi ça. Personne qui quittera son poste sera abattu. Je veux me barrer. Rappelez-vous les ordres de notre grand camarade Staline. On l'encule, Staline. Vous serez bien équipés pour les batailles qui nous attendent. Vous recevrez nourriture, eau, armes et munitions. Vous croyez que les Allemands ont tout ça? Non! Leurs voies de ravitaillement sont coupées! Leur rapide avancée vers la Volga les a mis dans l'incapacité de nous opposer une véritable résistance. Notre courage et notre supériorité numérique assureront notre victoire. Stalingrad sera le tombeau des envahisseurs. Non, non. Ça, j'aurais pas pensé que j'aurais pu mourir dans le bateau. Bon, ben, on se retrouve à Stalingrad.